les gens, ici Zikino, et on se retrouve pour Bad Boy. On en était à 79%, presque 80% de découverte du jeu. Et du coup, je me suis dit qu'on allait quand même essayer de se finir 100%. Alors j'ai prévu juste à côté une vidéo, donc si jamais il y a des petits lags quand... Un alt tab pour regarder la vidéo, bah, veuillez m'en excuser, mais on va partir comme ça. Je pense que sinon c'est pas très intéressant si je refais le niveau 4 fois pour avoir une heure de vidéo ou une demi-heure de vidéo et que au final on n'est pas avancé. Donc cette vidéo, je me suis d'abord préoccupé de regarder où sont les deux derniers animaux que je ne connais pas, et donc on commence tout de suite par ça. Vous allez voir que le premier, il est tout bête. Là. Ah non, mais non, dans tous les jeux plateforme, faut commencer par aller à gauche. C'était tout, voilà. Donc on peut quitter le niveau. Voilà, on y a passé l'épisode dernier, plus ou moins complet. Alors le deuxième, je vais juste regarder sur la vidéo, qui était, c'est quoi le nom de la... C'est Dark Keep, donc c'est les sombres abysses. Et ici, alors la vidéo que j'ai aperçue, que je vois, qui nous montre où sont les choses, elle nous emmène directement au bon endroit. D'ailleurs, il y a la Golden Slit qu'on n'a pas non plus. Ouais. Oh punaise, c'est là. D'accord. Alors, c'est pas les niveaux les plus durs du coup, mais... On commence par les niveaux les plus durs, mais c'est pas grave. Je suis équipé de mes boissons. Devrait nous faciliter la tâche quoi qu'il arrive. Même en faisant un peu n'importe quoi. C'est quoi là? C'est bien. C'est une mimi quoi, c'est bien ça. Là. Et j'ai bien fait de ne pas utiliser ma potion. Alors, lui, on avait trouvé déjà comment. Ah non, c'était pas là. Donc à faire, hein. Dans ce cas-là. Tranquillement.
Bon, là, on avance tranquillement. On va prendre la potion. Bon, ça va bien fait de prendre la potion. Débarrasser de lui. Il y a un shop à potions. On en prend. On a déjà fait tous les niveaux sans potions. Pas besoin de recommencer. L'endroit ni du chat ni de la tresse dorée. D'ailleurs, il appelle ça comment? Ok, TP. Ma vie, mais on est au checkpoint. C'était là, non? Ouais, c'était là où on pouvait le revenir en arrière pour le buter et que ce soit pour ça. La fraise dorée, c'est ici. Juste là. Cet endroit n'est pas changé d'un poil en 1000 ans. Et il ne risque pas de changer d'ici le prochain millénaire. Excuse les radoteries d'un vieillard. Cet endroit me rappelle des souvenirs.
boutique, je veux ta vie de golden seed. Donc, oh, c'est juste des graines. Très bien. Alors, on va continuer. Et plop, Adrou, comment tu vas? Alors, je sais que tu avais déjà joué au jeu quand tu es passé la dernière fois. Mais est-ce que tu avais tout fait? Là, j'en suis à... À faire le 100% et je m'aide d'un guide, donc... Donc ça peut être un peu spoiler, on va dire. Ah, je fais n'importe. J'ai fait le jeu jusqu'au boss sans faire 100%. D'accord. Là, je suis en train de vouloir faire le 100%, donc récupérer tous les animaux, toutes les vitamines. Ah, c'est là. C'était ici. Et il y a le petit chat, normalement. C'est le dernier animal. Trouver et sauver tous les animaux. Non. Et en plus, ça nous... Ça nous enlève tout ce qui nous fuyait, c'est cool ça. Ah. Décidément. Je sais pas si je monte trop, j'ai l'impression que le dernier coup je suis trop monté. On va utiliser un point d'énergie. On va utiliser un petit point d'énergie. Non, c'est bon. Là, je le sentais bien, donc c'est la peine. On va par là, on suit le vent. C'est tout ça, les trucs d'électricité, j'ai compris dans ce jeu. Rien à faire, c'est... Je sais plus ce que je disais. Ouh. J'ai oublié d'ailleurs, j'étais en train d'avancer tout seul, mais j'ai oublié de regarder la cassette. Et plop, over, comment s'est passé ton stream? Bonjour le raid aussi. On en était à lui. C'est là. Oh zut, c'était en arrière. Parce que je suis en train de... Ah, c'est là. Ça se voyait. Je suis en train de jouer à Pat Boy, je sais pas si vous connaissez. Ben, ça va bien aussi, un peu chaud. Dès que je stream, j'ai chaud. J'ai plus chaud. On va voir si on peut revenir en arrière. Sinon, ben, tant pis. On devra refaire. Non, c'est... Non, en plus, c'est un endroit où il y a du... Ouais, on peut pas. On va réessayer. Non. On va quitter. Ça avance bien, j'ai fini le jeu. Tu connais bien moi. Eh bien, j'ai fini le jeu et là j'en étais à 79%. Et je regarde une soluce en même temps pour avoir le 100%. En espérant que ce soit plus ou moins le dernier épisode. Alors peut-être l'avant-dernier, suivant combien de temps ça nous prend. Avec une soluce. Une soluce, ça va mieux. En plus, avec tous les pouvoirs.
avec tous les pouvoirs et en connaissant le jeu, en ayant déjà fait les niveaux. Oh, j'ai tué le... le ninja avec son shuriken. Oh, j'ai réussi à lui... Alors, enlever le ballon sans le buter. Je savais pas. J'avais oublié, au moins. Faire les sous alors qu'on sait très bien que ça ne sert plus à grand chose. On y passe après. C'était où? Ah non, c'est vrai, c'est pas là. Ah oui, c'était au moment où on descend. Ça va être ici. Non, c'est pas celui-ci encore. Du coup, je sais plus si je t'ai demandé ton live s'est bien passé. Je sais que c'était Outer Wild. Et vu que je veux le faire et que... et qui paraîtrait faut tout découvrir, le faire une fois, tout ça. Je veux pas me spoiler, donc je regarde pas ça, tu joues à ça. Alors hop, mince. On profite des images d'invulnérabilité, traduisons tout. Ouais, si tu veux le faire, faut absolument rien savoir. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que bah j'esquive. Mais faudrait que je le fasse un jour, comme ça j'arrêterai d'esquiver. Et je suis sûr que... Oh. Attendez. Je suis en train de bugger, on n'a pas déjà passé le niveau. Alors c'est juste après ici. On a passé le niveau et j'ai juste pas fait gaffe. Normalement on aurait pu trouver la bulle d'air à gauche. Non, c'est ici. Et ici, on a la cassette. Là, c'est un mode qui rajoute de l'histoire en plus du jeu de base et du DLC. Ah ouais, d'accord. Donc t'as fait le jeu de base, t'as fait le DLC et maintenant t'as un mode en plus. Je ne savais pas. Ok, donc les sombres abysses, c'est fait. Et on s'était surtout focalisé sur les animaux. Donc les plaines, c'est bon. Les sommets givrés, c'est bon. Le bosquet venteux. Alors regardez, le bosquet venteux, c'est la cassette Windy Forest 7. Ouais, ça me dit pas grand chose là pour le moment. Oh. Ok. C'est surtout que je me souviens plus du niveau, je pense. Et qu'en fait, elle est visible. Il nous montre comment l'avoir du premier coup, mais je pense que si elle est visible, autant que j'y aille avec tous les pouvoirs et je vous montrerai le... Ouais, on verra.
Ah d'accord. Oh, je me suis softlock. Donc autant y aller bourrin. Forcément les premiers niveaux. Déjà il y a moins de types d'ennemis. Et en plus les checkpoints sont beaucoup plus généreux. Wow. Si on prend. Oh, voilà, du premier coup. Je reviens, elle réapparaît. J'avais oublié ça, c'était intéressant, c'est vrai. Non. Ah bah non. Voilà. Je faisais pas gaffe que c'était une fois à droite et une fois à gauche. Ah oui, là. C'est-à-dire qu'au début, je voulais absolument avoir. Ok, c'est là. On va passer par là. Mais en fait, il y a un passage ici. Donc la vidéo m'a montré d'arriver par là. En gros, on se laisse tomber et puis on cède du vent, quoi. Pas comme ça, mais dans l'idée, vous avez compris. Et bah, je voulais vérifier si c'était bel et bien possible en passant dans l'autre sens. Et ça l'aime. Du coup ici normalement on a tout. Prochain niveau. Mine. Bord de mer c'est bon, donc les mines. La pèse dorée. Molten mine. Green. Non pas green seed. Molten mine golden seed. Ah ouais, c'est effectivement plus ou moins visible. Bah c'est parti. On a toutes les potions, pas besoin d'en reprendre plus. Ouais, passe. Ah, c'était l'époque des moustiques. Je suis en train de voir l'heure. C'est déjà du coup une demi-heure, je sais pas. On va faire le point pour voir si on. Bon, j'ai activé le checkpoint. Oups. Il y avait ça aussi. On n'est pas à la recherche d'argent, mais. Pas au point de faire des détours, mais. Faut pas faire de mal quand on en trouve.
j'y vais vraiment en mode bourrin, mais... passe, quoi. Combien de PV? Plein. C'est pas si loin d'ici. Je me souviens que c'était pas le passage le plus simple pour moi, en tout cas. C'est là-haut. Vous voyez, mais il y a une échelle. C'est exactement là qu'on essaie d'aller. Voilà. Voilà, voilà. Bonjour. Allez. Cette mine abrite des cristaux très durs et sombres. Lord Vicious a ordonné de les miner et de les transporter à l'est. C'est là-bas qu'il fait construire sa forteresse, la fort sombre. Boutique, donne-moi ça. Oui. Normalement on a tout dans ce niveau. Qu'est-ce qu'il nous reste? C'est bon. 7, il nous reste 1. 8, c'est bon. 9, il nous en reste 1. 10, il en reste 1. Et à tout. Donc je pense qu'il nous en reste suffisamment pour dire qu'on fait un autre épisode là-dessus. Contre. On peut aller vérifier qu'on a bien tous les petits animaux. Mille merci de m'avoir ramené mes chiots et mes chatons. Voilà, ils sont tous là. On peut tous les caresser. Bien, c'est qu'en pixel art. Sont aussi mignons que les chatons. C'est pas le cas en vrai. Mes chats. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Je pense que le prochain, on finit vraiment le 100%. J'espère oui que ça vous a plu et à bientôt, à très vite. Bye.